Horrible. Non, c'est super sympa. C'est sympa parce que c'est comme une famille, c'est convivial, c'est pas trop immense, donc on a le temps de parler, on a le temps de rencontrer les gens, on a le temps de discuter, d'échanger des idées. En plus, le cadre est magnifique, on a de la chance. Donc vraiment, je suis très très heureuse d'y participer pour la première fois. Je trouve que le thème est intéressant, en plus, en dehors du bonheur, c'est-à-dire savoir sur un film, trouver ce qui fait la qualité d'une ambiance sonore, musicale, ce qui est tellement important dans un film, quoi. Donc c'est intéressant d'être branché particulièrement là-dessus, en dehors d'être dans le jury pour juger d'une voix féminine et masculine. Mais ça, disons que ça ressemble peut-être plus à ce qui se fait ailleurs. Tandis que la bande-son et la musique, je trouve ça vraiment très intéressant. C'est une responsabilité en même temps. Oh ben oui, avec ma gueule de blondasse sur le retour, ça va faire bizarre. Mais enfin, j'ai fait la petite Mélissa qui était très gentille, qui était une petite noire, Mélissa. Puis j'ai fait aussi Mirou, qui était la copine de Oui-Oui. Et puis j'ai fait cette espèce de singesse absolument incroyable, qui avait une voix pas possible. Et puis voilà, puis d'autres personnages féminins dans Oui-Oui, et puis voilà. Enfin, j'ai fait d'autres dessins animés avec des trucs très très bizarres. J'ai fait des petites vieilles, j'ai fait des enfants, j'ai fait des sorcières. Des petites vieilles dans quel dessin animé? Oh, par exemple, dans Maman Darine & Co, je faisais Madame Groslu, qui avait un chien qui s'appelait Bébé, qui était insupportable. Mais Madame Groslu, qui était toujours en train de râler, voilà, Madame Groslu, qui était très vilaine, très méchante. J'ai fait aussi la grand-mère dans Heidi, il n'y a pas longtemps, qui était plus réaliste. C'était une très vieille dame qui a perdu la vue. Donc c'est une petite vieille, une petite qui est très douce et qui aime beaucoup Heidi, qui est une petite vieille adorable, une petite grand-mère très, très gentille, très douce.